In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball! Come get some! Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot, maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right. Passos said there's a good place to hide in the back. I'm just trying to stay calm. Come on. You okay? Yeah. Let's go. I guess this is it. No, keep going. That's a girl. Stay calm, right? I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. You gotta be shitting me. Me and Raul, Passos you call him. We just want to live somewhere, away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different. For you two, I mean. Passos is a lucky guy. Shh, shh, shh. Chef. I don't think these guys are here for your baby shower. Get down. Stay out of sight. Disperse e procure por toda parte. Temos que achar a menina e o americano também. Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur Max Payne 3, épisode 12, dans le chapitre 10. Nous sommes de retour avec l'ami Max et nous tentons de fuir Sao Paulo avec la belle Giovanna. Et oui, elle est enceinte, il faut la protéger. On est donc poursuivi par cette milice paramilitaire qui est en train de nous chercher. On a deux armes à récupérer et deux indices. Ah bon, on va essayer de faire les choses bien. Est-ce qu'on peut les avoir par... Comment on appelle ça? Ah bon, chef. Ah, je pensais que ça déclencherait le... Ça déclencherait le ralenti, mais pas du tout. Ça n'a absolument pas déclenché le ralenti. Tant pis. Ça dégage. Il en reste un. Ah, le bâtard. Je l'attends, hein. Allez, hop. Crie pas, Giovanna, tout va bien. Mais j'ai tué tout le monde! Listen to me, it's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm ouais, down? Voilà. Are you out of your mind? Ah, les snipers. Mais arrête! Tu vas te faire buter! I'm gonna be here soon. There isn't going to be a soon if we stay here. Non! Tu vas elle est complètement conne, elle! Hein. Oh, la sélection naturelle, ça s'applique quand là? Allez hop, ça dégage. Eh, la sélection naturelle. Elle est où là? On l'attend, hein.
C'est quoi ces conneries là? Bon, on va fouiller un peu. Je m'attends à ce que dans une map comme ça, avec tant de trucs, il puisse y avoir des petits indices, des petites pièces d'armes qui se cachent parmi les carcasses de bus et tout ce qui va avec. Elle est où, machine? D'où Micheline? Putain, elle s'est cassée. Ah bah regardez, vous voyez ce que je disais? On a une première pièce ici. Très bien. On continue à fouiller. Ah, là on peut pas passer. Très bien. On continue à fouiller. Quick, before they come back! Oh, thank God! You okay? Yeah. Here, quick, climb under here. Open the gate from the other side, quick! Merci. Merci ma belle Giovanna. Voilà. Je peux faire ça. Ah merde. Oh. Ok. J'en ai marre. On va faire ça. Où c'est raté? Ouh, c'est complètement raté. Est-ce que ça pète? Ouh, je l'avais pas vu. Oh, pas mal. Bon, je fais péter la station service, hein. Putain, mais il prend rien, lui, hein. Aïe. Ok, on va changer d'arme parce que là, à distance, je vais rien pouvoir faire. On se casse. Allez, ça dégage. Putain, je prends cher en ce début d'épisode. En même temps, c'est de la milice, hein, c'est pas les simples... Allez, hop. Ça, c'est fait. Peut-être plus prendre ça là. Ouais. Là on est bon là. Bon, on est bon mais on n'est pas si bon que ça quand même, hein. Laisse-moi fouiller, cher Giovanna. Pas où faut aller. On va tenter d'aller dans le... là-dedans, là, en espérant que ça ne déclenche pas de cinématique. Je verrais bien un petit indice dans le coin, là. Par exemple. Et regardez. Et regardez! Paramilitaries and only my face made the front page. More publicity I didn't need. Ah oui, effectivement. Un indice. Très bien. Un indice, rien de plus. C'est déjà pas mal. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, c'est safe. C'est pas où qu'on se casse. J'avais repéré la... la porte là-bas. Locked. And there was still the small matter of the traumatized girl sobbing behind the trash can. J'ai compris. C'est bon, Giovanna. Max. Come on. What's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. Ça, c'est sûr. We're not gonna make it, are we? We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here. Voilà, Passos, c'est le sauveur. This wasn't looking good. What the hell were Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos' security detail. Just check this. Need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. Re-rentrer dans un bâtiment. SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, if we were lucky. If you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. Right. Allez, on peut faire ça. Right. You got it. On peut faire ça, c'est une bonne idée, Giovanna. Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. And I guess that meant neither could I.
Bon, c'est pas mal, on a déjà un indice, une pièce d'arme. Voilà. Ouh là là là. Ouh, ça fait du monde. Ça va chier. Ah, je vous dis, ça va chier. Ah oui, j'adore. Oh là là, c'est imperfect! Quelle action magnifique! J'ai même débloqué un succès! What now? There's no way down! Hold on! Mais par contre, j'ai pas eu le temps de fouiller du coup. Can you get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just voilà. Stay quiet and keep down. J'ai tué tout le monde de toute façon. Ou presque. J'ai tué tout le monde de toute façon. Oh, ce massacre. Ce massacre. Je vous avoue que je m'attendais pas à faire un tel massacre, mais ça me va. Alors, oh, la pièce d'arme. Tout de suite. Direct, la pièce d'arme. Voilà, ça en prend. Ensuite. On cherche, on regarde. There had to be an easier way out of there than the way I came in. Ouais. Je veux bien. Je veux bien, mais je fouille, Max. Ne me fais pas rater. Ah, ça, j'imagine que ça va peut-être s'ouvrir. J'ai vraiment défoncé tout le monde. Ça ne s'ouvre pas, non? Ça ne s'ouvre pas. Ça, on l'a fouillé. Très bien. Je pense que c'est par ici. Alors, voyons voir. Attendez. Voilà, on va se passer à deux armes. Hein. I was getting good at this. Max, Max. Tais-toi, il y a des mecs. I can't see a way down here either. Il y a un mec. Il y a pas vu. Il y a un mec. Il y avait un mec. Hein. On est d'accord. Il y avait un mec au fond. Oh ah oui. On est bien d'accord. Hein. Merde. Raté. Touché. J'ai pas coulé. Faut mieux se cacher, mon petit gars. Allez hop, ça dégage ça. Ça dégage et ça dégage au calme. Oh oh. Sauvez Giovanna. Mais tiens. Tire sur les mecs, Max. Qu'est-ce que t'attends? Quoi? Tout ça? Allez hop, ça se dégage aussi. C'est un peu tendax, hein? Are you okay? Oui, ça va. Et toi? There must be a way to drop those stairs down. Wait a second. I'm going to try something. Ok, moi je vais pas y aller tout de suite. Moi je ne vais pas y aller tout de suite, chère Giovanna. Je vais fouiller un peu. Pourquoi? Pourquoi il faut fouiller? Pour ça. Pour ça il faut fouiller. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, je gère. Je gère. Je bute tout le monde, c'est tout. Laisse-moi buter tout le monde. Laisse-moi voir s'il n'y a pas des petits indices, des petits trucs comme ça qui traînent. Des petits soins aussi, ça peut être pas mal. The spoils voilà. Of a desperate man. C'est exactement ce dont je parlais. Ça ne s'ouvre pas. Pas d'autres indices, a priori.
Ouais, ouais, t'inquiète. Je fais juste le tour, Giovanna, je visite. Je connais pas ici, je visite. J'arrive. Come on. Let's get the hell away from here. Allez, mais qu'est-ce que tu faisais, okay. Giovanna? Right behind you. Laisse-moi juste fouiller ici aussi. Regardez. Oh, une télé. Une télé. On a le temps de regarder la télé. Regardons les infos. Oh, le vieux dessin animé. As aventuras do Captain Baseball Batboy. Episódio 204. Nosso herói idoso encontrou o esconderijo do Saci, onde ele mantém sua namorada, Bicycle Helmet Girl, como refém. Yes! Ela não é minha namorada. Me ajuda, me ajuda! Me ajuda, Captain Baseball Batboy! Et l'autre qui nous presse, allez, amène-toi! Je regarde la télé, meuf! Laisse-moi regarder la télé, enfin! Et apporte-moi une bière pendant le tiers! Quando de repente ele tem uma ideia brilhante! Eu tô velho demais pra usar esse taco! Tá na hora de trocar por. Ça a pas l'air de le saouler, hein! Captain Baseball Bad Boy! Sacou seu melhor taco de golfe! Et l'autre qui s'impatiente. Agora! L'autre qui s'impatiente. Et j'espère qu'il y a un défi pour regarder toutes les télés. Hein. Joli tir. Hein. Assista ao próximo episódio para ver as incríveis aventuras do Captain Baseball Bad Boy. Ok. Ça marche. With little hope, ah, parce qu'il y en a encore. Will improve in the next 18 months. A report by human rights organizations documents evidence that up to 200 residents have gone missing from Sao Paulo's low-income neighborhoods in the past 3 months. An issue which they say is being ignored by both police and city officials. Je me demande si ça va faire partie un petit peu du. More Latin American news after this. Je me demande vraiment si ça va faire partie de l'histoire, ça. I must be losing it. Tu m'étonnes. Allez, on reprend l'arbre et on continue. There's someone down there. J'arrive. J'aurais bien envie de faire un saut, mais ils sont pas tous du bon côté. Should we take a look? Deve se ter me escutado no estádio. Ninguém sabia que ia ser um problema tão grande. Vai ter que sauter, là. Eu disse que a gente devia ter matado ele no estádio. Vai éviter de sauter aussi. O que a gente tá fazendo aqui? Isso é perda de tempo. Allez, ça dégage. Why are they doing this, Max? This is so fucked up. Bah, et c'est eux qui meurent. Our day had started with us hiding in filth, and got progressively worse. My luck was running true to form, or rather, I was running true to form. Elle descend, elle s'en fout, hein. Elle s'en fout complètement, Giovanna. Elle a pas peur, hein. Elle descend au calme. Ah, attends, laisse-moi fouiller, évidemment. On sait jamais ce qu'on peut trouver. Comme une petite pièce d'arme. Voilà, ça fait plaisir. Fouillons. Visiblement, rien d'autre d'intéressant. Pas d'indice. Pas d'autre indice. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Qu'attendons-nous? Qu'est-ce que j'attends pour te mettre une balle à la tête? Vous avez vu la tête qu'elle a fait? Elle a changé, hein. Elle a changé de tête, hein. Ouh, ça sent la zone à fusillade, ça.
Should we wait here for Passos? No, it's not safe enough. Come on. Damn it. Ça sent la zone à fusillade, ça. Max! Quiet! You're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Come on. Get your leg up. Allez, dépêche-nous de nous faire rentrer là, avant que ce soit la merde. Et trouve-moi les pièces d'armes. Et rapporte-moi une bière. Check it out. Voilà, reste là. Stay here. Laisse-moi fouiller. Laisse-moi fouiller, Giovanna. Laisse-moi regarder s'il n'y a pas des trucs intéressants. Comme ça, par exemple. Putain, c'est pas vrai, ça! Je rate la première, évidemment. Bah oui, il va faire ça dans les escaliers, forcément. Montre-moi ta tête! Foiré! Oula, 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 oula! Chargé, je sens. Ouais. Je suis dans une mauvaise position. Arrête de tomber. Mais arrête de tomber. Enlève-toi, Max. C'est pas vrai, ça. Bon, allez, ça suffit. Putain, mais je me fais défoncer. Tiens, t'apprendras. Ok, il y en a au moins deux. Ça dégage. Allez hop. Ennemi tué par chute. Très bien. Évidemment, on fouille. On regarde s'il n'y a pas un petit indice qui traîne. Dans des bureaux comme ça, c'est plus que probable. Comment il est tombé là? Voilà. Ah, ça je prends, effectivement. Oh! Incroyable! Ça c'est fait. J'ose pas trop m'approcher. On ne sait jamais. Ouais. T'as raison, Giovanna. Laisse-moi faire. Je crois qu'on a fouillé, j'ai pas trouvé l'indice. Ça c'était pour le finir. Ah! She was notre indice. Political nemesis and in all probability Sao Paulo's next mayor. Even the incroyable. Broncos couldn't afford that many votes. Ça y est, on a les deux indices. Thinking. Il nous manque plus qu'une pièce maybe d'arme et on est bon. Security switch somewhere. On doit pas être loin de la fin du niveau. Attendez, je fouille. Et voilà, on a nos deux armes, on a nos deux indices. Eh bien écoutez, on approche de la fin du niveau tranquillement là. Putain! Et ouais, mais. Elle fait la conne aussi! Bon, le mec, ça devait être un fantôme. Hein.
Elle fait la conne, elle se barre toute seule, elle a rien compris, elle. Elle est jolie, mais elle est conne, hein. Allez, allons prendre un bus. You've driven a bus before? Of course I haven't. You ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister. And right now, I reckon I'll be better at the shoot. Voilà, ça me convient, ça. Est-ce qu'il y a des clés sur le bus? I give you the word. I want you to slam it into gear, full on the gas. Drive us the hell out of here. Je sens que ça va être épique. What? Je sens que ça va être épique. Drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. You can do this. Ready? Go. Je sens que ça va être putain d'épique. You're doing fine. Oh my god. C'est quoi cette armée? Ça pète là. Voilà. C'est joli, c'est beau. C'est ça qu'on veut. Oulala, 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 Giovanna, fais attention. Essaye de rouler droit, ouais, c'est pas mal là. Oh oh. Yeah, I see it. Je vois pas où est la balle, le. Cuidado. Cuidado, c'est attention. Hein. Ça j'ai compris, hein. Oh, j'ai appris un mot. Incroyable. Bon, ça va qu'à la première balle il meurt. Hein. Oh la tête. Oh la tête que je lui ai mis encore. Ah, y a même un hélico maintenant. Ah non, c'est pas ça. Oh l'accident. Hold on. Ouh là là. Putain, apprends à conduire. T'as failli nous tuer tous les deux là. Giovanna. We're okay. We're okay. You good? Yes. That's a handy piece of driving. We gotta get out of here. Son of a bitch, quick, come on. Encore la baston. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the passage. Voilà, voilà. Tell him to wait for me. Now go. Jump. Go. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Ah ouais. Pas mal ça. Giovanni Panzani, c'est pas mal. Fais-moi péter cette bagnole. On en parle plus là. On va tirer à l'aveugle, hein. J'en ai tué pour vous. Ah, ça dégage. Et ça dégage. Allez hop, partie 2 terminée. On n'en parle plus. Ah, c'est dommage que les graphismes soient pas mieux faits sur le bus, hein. Là, on voit qu'ils ont voulu mettre des balles de. I was just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. Putain, énorme. Oi, Max! Get in, quick! Hein? Oh, le bug! Oh, le bug de texture! Oh, je suis conduit par un fantôme! On ne sait pas qui c'est!
That bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Who? Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I don't. I thought oh, you le guys were very close. Passos, putain, je croyais que t'étais mon ami! Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor? No. Well, Raul Passos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know. My guess is to meet you. But why? I don't know. Maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know. Maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. Okay. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. Et on va donc s'arrêter là. Prochaine fois, chapitre 11, la crème solaire, les margaritas et l'avarice. On sera donc au Panama. J'espère que cet épisode vous a plu. Il était bien sympa. Moi, j'ai bien aimé. Un peu chaud. Pas mal de bastons, comme toujours, avec Max Payne. Hein. N'hésitez surtout pas à partager, à vous abonner, évidemment, à lâcher votre like, parce que ça fait toujours plaisir. Et à activer la petite cloche qui va bien pour ne rien rater de mes prochaines aventures. Dédicace à l'ami Kiwi, et voilà, et dédicace à tous ceux qui regardent, évidemment, merci d'être là, merci de lâcher tous ces commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve très vite dans le prochain épisode pour la suite de notre aventure incroyable, et on se dit à très très vite, et à ciao bye.